croix, dans nos cœurs, dans nos pensées. En ton nom, Seigneur Yeshua, nous prions, Dieu d'Israël. Amen. Amen. Voilà, je vais enlever mon écharpe, parce que sinon, il y en a, ils vont croire que je suis devenu catho, n'est-ce pas, mon frère Benito. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Alors, il y a un frère qui m'a amené cette Bible, le Tanakh, en hébreu. Donc, ça. Et donc, c'est. J'étais poussé à aller vérifier quelque chose. Hein. Et justement, je ne sais pas si tu as la BGC, justement. Est-ce que tu peux prendre, justement, Genèse 12 1 hein? C'est possible, Laurent, d'avoir le retour? Parce que c'est vrai que le retour, quand je ne m'entends pas, ça me fait bizarre. Voilà. Voilà, mes amis, vous êtes nombreux à être connectés, nombreux à nous suivre depuis les nations. Et nous voulons bénir le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait. Et vous remarquerez lors de nos réunions, nous voulons vraiment chanter dans toutes les langues. Nous voulons avoir cette liberté de pouvoir utiliser toutes les langues que le Seigneur nous a données pour pouvoir le glorifier. Donc ne soyez vraiment pas choqués. Et si jamais vous voulez chanter, glorifier le Seigneur ou témoigner dans votre langue maternelle, il n'y a pas de souci. Donc l'Église est née avec 120 langues et nous voulons vraiment donner cette opportunité à tout le monde donc de pouvoir s'exprimer. Vous savez, la diversité linguistique a été la base de la division des peuples dans Genèse 11 et le Seigneur dans Acte 2 a se servi de cette diversité justement linguistique pour pouvoir bâtir, unifier son corps. Voilà, donc c'est ça qui est magnifique. Et Dieu est bon. J'aime bien entendre le Seigneur, voir Dieu loué dans toutes les langues. C'est beau de voir des Chinois, d'entendre des Chinois glorifier le Seigneur en chinois, des Arabes en arabe, des Français en français, des Anglais en anglais. Et c'est beau. Et c'est ça la richesse de notre royaume, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Donc Genèse 12, verset 1er. Et voilà. Donc on va donner le micro à Benito, si c'est possible. Merci. Genèse 12, verset 1er. Alors, il est écrit, « Or, Yahweh dit à Abraham, va pour toi, hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras béni. » Alléluia. Alors, dans cette version, bien sûr, que j'ai ici, ils disent, « Hachem dit à Abraham. » Donc, bien sûr, on sait que les Juifs n'aiment pas prononcer le nom de Yahweh, le tétragramme. Et ils l'ont remplacé par Hachem, le nom. Voilà. Donc, mais ce n'est pas ce que l'hébreu dit. Hein. C'est vraiment le tétragramme. Et Hachem dit à Abraham, va pour toi hors de ton pays. Donc, et c'est cette partie-là justement que l'on ne trouve pas dans la majorité de nos Bibles. Va pour toi. N'est-ce pas? Va pour toi. Et donc, quand ce frère m'a amené cette Bible, Nicolas, et je pense que c'était intéressé aussi. Hein. Voilà. Donc, ça m'a vraiment encouragé de voir que Dieu nous a vraiment conduit par rapport à cette révision. Et va pour toi. Et voilà. Donc, et beaucoup de traducteurs, bien sûr, de la Bible ont enlevé cette partie-là. Pourtant, c'est vraiment capital. Pourquoi Dieu va-t-il demander à Abraham de sortir pour lui, va pour toi. Donc on l'a expliqué la dernière fois. Et Abraham ne pouvait pas sortir sa famille de la Mésopotamie, de Babylone, et s'il n'était pas sorti lui-même. Voilà, donc va pour toi, c'est sors d'abord pour toi-même, ou encore retrouve-toi avec toi-même. Voilà, donc avant de prétendre sortir les autres. Et on retrouve un peu cette notion de sortir d'abord pour soi-même dans Matthieu, justement, où Yeshua disait « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil ?» Donc, avant de pouvoir libérer les autres, libère-toi toi-même d'abord. Et Abraham était appelé à être le père de la foi, n'est-ce pas, à être un modèle pour des millions de croyants, n'est-ce pas, des milliards, voire, dans le monde. Et il fallait d'abord qu'il sorte lui-même, pour lui-même, qu'il se retrouve avec lui-même et ensuite avec le Seigneur. Et sortir de, bien sûr, de sa patrie, quitter les personnes auxquelles il était très attaché, et pour pouvoir, bien sûr, se retrouver avec lui-même, avec le Seigneur, et par la suite, bien sûr, sortir les autres. Et on voit que Moïse, avant de libérer les Hébreux de l'Égypte, il devait d'abord sortir lui-même. Dieu l'a sorti, et sa sortie a duré 40 ans,
40 ans d'exil, 40 ans de travail, de nettoyage, de brisement, et de brisement tout ça. Et à l'issue de cette formation, de cette sortie de 40 ans, ben, il va repartir en Égypte pour, bien sûr, aller libérer son peuple. Voilà. Donc, et ça, c'est vraiment magnifique. Et Dieu est celui qui nous extirpe, nous sort des endroits, des lieux, pour pouvoir nous façonner et ensuite nous envoyer vers les perdus pour pouvoir les délivrer. Et c'est pas toujours évident quand il faut sortir, hein, donc parce que bien sûr on est attaché. On est attaché émotionnellement et sentimentalement, on est attaché aux lieux, aux endroits, aux hommes et aux gens. Et puis Dieu vient avec sa parole, hop, sortez. Voilà. Sortez. Quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? Forcément. C'est vrai que c'est pas évident quand, mm-hmm. quand Dieu nous demande de sortir. Mm-hmm. Parce que nous, ça a été notre cas en 2009, en fait. D'accord. Et il y a des sentiments, il y a les frères et sœurs qui sont là, qu'on aime bien, mais si c'est pas la parole qui tranche, on ne peut pas sortir. Mm-hmm. Mais comme c'est Dieu qui demande de sortir, il faut faire, faut pas laisser parler les sentiments, en fait. Mm-hmm. C'est vraiment la parole de Dieu, en fait. Il faut obéir, tout simplement. Obéir, tout. Voilà, gloire à Dieu. Nicolas, peut-être. Oui. Donc, non, tu peux. Non, je voulais juste dire en fait que c'est vrai que quand on était dans la religion, on nous disait surtout le petit verset qui dit de ne pas quitter son assemblée. Mm-hmm. Et nous, on croyait que c'était vraiment, voilà, puisque c'est écrit dans la parole, faut pas le faire. Mm-hmm. Et en fait, non, Dieu se révèle aussi et il dit sortez, puisque des fois, on n'y comprend pas. Mm-hmm. On est un peu dur d'oreille, mais il nous parle. Et à travers des songes ou autres, il nous dit sortez de là. C'est mmh. ce qui s'est passé pour moi. Il m'a parlé à travers un songe et il m'a dit vraiment sors. Waouh. Voilà. Et ça faisait combien de temps que tu étais dans cette assemblée? On va dire que ça faisait 3 ans. D'accord. Ouais. 3 ans. Et là, tu as simplement obéi, tu as hésité. Parce que Christiane était partie avant. Ma sœur, elle est partie la première. D'accord. Et justement, par rapport à ce verset, je disais que j'allais pas sortir comme ça. Sauf si Dieu me disait de sortir, aussitôt il m'a parlé dans le songe et il m'a fait comprendre qu'il fallait que je sorte. D'accord. En tout cas, je vais parler à son peuple. Nicolas, tu voulais quelque chose? Ouais, c'est par rapport à ça, en fait, par rapport au fait de pouvoir sortir soi-même, mais par rapport au sentiment, en fait. J'ai compris une chose, c'est que il y en a beaucoup dans les églises, en fait. Ils sont, il y en a qu'on puisse détacher de leur famille, de leurs amis, etc. Et en fait, ils sont, ce détachement, en fait, ils sont rattachés aux personnes de l'Église, aux frères et sœurs. Et pour ces personnes-là, dans ce cas-là, s'il n'y a pas une véritable communion avec le Seigneur, en fait, comme ils vivent par le groupe, en fait, par les frères et sœurs, ils vivent par le groupe simplement. Ils n'ont pas une véritable communion par eux-mêmes avec le Seigneur, où ils n'ont pas d'autres relations en dehors, en fait. Ils ont du mal à pouvoir se détacher de ces groupes, en fait. C'est pour ça qu'il y en a qui sont tellement attachés à leur église, parce qu'ils s'imaginent même pas, en fait, ils voient pas ce qu'il peut y avoir en dehors de leur église, comme ils sont attachés à, ils ont attachés émotionnellement à leur pasteur, aux frères et sœurs, ils s'imaginent même pas pouvoir sortir de là, en fait. Ils y conçoivent même pas la vie en dehors de ça, en fait. Et c'est pour ça que même beaucoup qui pouvaient être avec nous, ils pouvaient eux aussi être dans cette optique-là, en fait. Comme ils n'avaient pas une vie avec le Seigneur, je me posais souvent la question, en fait, à chaque fois quand je vois des personnes qui quittent, ils n'ont pas la même vision entre eux. Même quand ils étaient avec nous, il y avait des désaccords entre eux, il y avait des disputes, des choses comme ça. Mais quand ils quittent la vision, il y a des gens qui commencent à te critiquer, etc., ils vont quitter, mais ils vont s'assembler entre eux dehors. C'est parce que ils vivaient que par le groupe, en fait. Ils n'avaient pas de lien avec le Seigneur, ils n'avaient pas de communion avec le Seigneur ou avec d'autres personnes, en fait. Ils vivaient que par le groupe. Donc, comme ils quittent ici, ils peuvent que se retrouver entre eux, en fait, pour s'assembler, en fait. Et la clé, justement, de ça, c'est ce que tu disais, en fait, avoir une véritable communion avec le Seigneur. Et ceux qui sont dans des églises, dans des systèmes, etc., faut qu'ils puissent réellement cultiver leur communion avec le Seigneur. Et c'est là que, simplement, qu'ils pourront commencer à voir autre chose que leur petit enclos, en fait. Et
et voir qu'il y a une véritable, il y a un véritable mouvement que Dieu suscite et que bah, peut-être faut qu'ils examinent là où ils sont, si c'est dedans ou si c'est pas dedans en fait, et qu'ils puissent se détacher. En fait, d'abord, je voudrais témoigner de ce que j'ai vécu moi, c'est que moi, je suis pas du tout né dans la religion. J'ai pas du tout été élevé comme ça. On m'a jamais parlé de Dieu, mais Dieu sait que j'étais attaché à mon mode de fonctionnement, à ma famille, à mes amis, et il m'a fait d'abord quitter chez moi. Il m'a emmené à 8000 km de chez moi. Pour que je puisse le rencontrer, pour que je puisse me remettre en question, pour que je sois prêt, en Martinique. Et après, vraiment, ce qui me vient à l'esprit, parce qu'en ce moment, Dieu n'arrête pas de me montrer dans mon fonctionnement que, en fait, c'est lui qui se sert de nous, que nous, on ne peut pas évangéliser qui que ce soit. Et... Dieu me montre tout le temps que quand on veut par nous-mêmes convaincre quelqu'un, en fait, l'ennemi passe par nous pour montrer à la personne qu'au contraire, c'est n'importe quoi ce qu'on fait. C'était cette semaine avec ma femme, on lisait un passage dans Exode 8, et vraiment, je ne comprenais rien à ce passage. Je disais, mais ce n'est pas normal. Pharaon, Moïse fait venir une plaie sur l'Égypte, c'est les grenouilles, et les magiciens de Pharaon, ils font la même chose. Et pourtant, Pharaon va vers Moïse et lui dit, demande à ton Dieu de retirer les grenouilles. Et moi je dis, c'est pas normal, puisque les magiciens sont capables de faire la même chose, pourquoi il va vers Moïse et il lui demande de retirer les grenouilles? Et pour moi, c'était pas compréhensible. Mais ma femme, elle a apporté une lumière. Et elle dit, mais Pharaon, il avait compris que c'est Dieu seul qui peut sauver. Et puis après, on n'arrivait pas à comprendre non plus comment ce passage-là, où Dieu endurcit le cœur de Pharaon 10 fois, qu'il y a les plaies qui viennent, et Pharaon dit, ok, c'est bon, je laisse aller le peuple. Mais quand les grenouilles sont parties, maintenant, ils changent d'avis. Et je ne comprenais pas. Et ce que Dieu nous a révélé, encore une lumière qu'il a donnée à ma femme, il dit, mais Pharaon, c'est moi. C'est-à-dire que c'est le moi, c'est la chair. Dieu veut nous faire comprendre qu'il faut sortir du moi, il faut sortir de nous-mêmes pour que le peuple... Pour que Dieu puisse agir, et quand on s'humilie vraiment, quand on ne cherche pas à convaincre les gens, qu'on témoigne simplement de ce qu'on vit, alors Dieu touche les cœurs. Mais dès qu'on cherche à convaincre, on est dans l'erreur. Exactement. C'est vrai que je bénis le Seigneur, effectivement, qu'il nous ait permis, effectivement, de sortir du milieu d'eux. Parce qu'effectivement, quand on lit « va pour trois », comme le frère le disait si bien, c'est la notion individuelle. Et le Seigneur vraiment demande à être à part pour lui, pas la notion de groupe, l'effet de masse. Et on regarde que l'ennemi, maintenant, il a vraiment tendance à vouloir inciter les assemblées à être des églises qui frappent. Donc, c'est-à-dire par le spectacle, par tout ce qui est... j'emploierai l'expression bling-bling un petit peu, mais en fin de compte, il donne cette apparence aux assemblées de se mettre en valeur, de se mettre, mais pas pour Christ. On réalise que c'est pour l'homme. Et la notion va pour toi, quand je regarde pour... Ça me donne vraiment à prendre conscience en moi, parce que c'est déjà individuellement pour le Seigneur. Et comme le frère disait, c'est cette relation, cette intimité avec le Seigneur. Quand il demande à tout un chacun d'être intime, parce qu'on n'oublie pas qu'effectivement l'église de Christ est cachée. Elle n'est pas au-devant des podiums, elle n'est pas au-devant des scènes et tout. Et c'est cette église, cette intimité que Christ, cette relation nous demande vraiment. Et c'est vrai que le Seigneur nous a permis d'avoir cette révélation, de nous permettre de sortir.
Et nous pouvons que prier pour ces bien-aimés qui sont encore dans ces assemblées. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Amen. Amen. Benoît, tu voulais, hein? Ça va? Moi, personnellement, je n'ai pas connu comme le frère. Je n'ai pas été éduqué, en tout cas, avec quelle que soit la religion, mais dans une famille athée. Et même quand je me suis converti au Seigneur, quand j'ai accepté le Seigneur, j'étais dans une assemblée qui était aussi dans le message, qui mm-hmm. était dans la même vision. Mm-hmm. Et le fait de simplement de changer d'endroit, ben, j'ai compris que même si on change d'endroit, qu'on est dans la même parole, on verra toujours les mêmes frères et sœurs, mais ça nous fait mal quand même. Mm-hmm. Et je me suis dit, est-ce que vraiment je dois y aller ou est-ce que je dois pas y aller? Et voilà, le Seigneur nous a convaincus avec mon épouse. Voilà, d'aller où on nous avait demandé d'aller aussi pour faire autre chose. Donc c'était au début de la radio de vie, mm-hmm. donc d'intégrer une autre assemblée. Et au début c'était difficile en fait, parce qu'on n'avait plus de repères, on n'avait plus mm-hmm. ceci. Et voilà, le Seigneur nous a fait sortir à un moment qui pour nous était propice, parce que justement on commençait à être peut-être un peu trop dans nos chaussons. Mm-hmm. Et il faut qu'on sorte de là en fait. Donc qu'on soit dans une assemblée qui est... dans la parole ou non, il faut qu'on fasse attention en tout cas. Mm-hmm. Il faut vraiment qu'on ait cette intimité, cette relation personnelle avec le Seigneur, parce qu'on ne sait pas où il peut nous emmener demain. Mm-hmm. Donc voilà, s'attacher à lui simplement. Quoi. C'est voilà, vraiment Dieu. Important. Voilà. Dieu est fidèle. Et alors, je ne sais pas, Benito, qu'est-ce que tu... Comment vois-tu les choses un peu en ce moment? Ok. Mais déjà, par rapport à ce que... Je viens de partager, c'est vrai que le définir ainsi va pour toi, c'est beaucoup plus profond en fait. Mm-hmm. Dans le sens où on voit vraiment le fait de, voilà, de se sauver en fait. C'est mm-hmm. comme si Dieu lui disait sauve-toi. Mm-hmm. Et c'est vrai que on a souvent on oublie souvent en fait qu'avant de chercher à sauver les autres, il faut d'abord se. Être sauvé nous-mêmes, mmh, en fait. Mmh, mmh. La parole nous déclare, aime ton prochain comme toi-même. Comment je vais aimer mon prochain si je ne m'aime pas moi-même? Mmh. Et il faut que je cherche d'abord mon propre salut. Et des fois, on reste avec des communautés alors qu'on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mmh. On le sait éperdument que ça ne va pas. Mais on veut sauver les gens. Or, c'est Jésus-Christ qui sauve. Mmh. Et avant de sauver les gens, il faut se sauver soi-même. Mmh. Et quand je vois là le va pour toi, je vois vraiment sauve-toi. Sauve-toi parce que c'est pour ta vie d'abord. Mmh, mmh. Et ça me fait penser aussi à ces anges qui sont partis chercher Lot pour lui dire sauve-toi parce que là, voilà, il y a plus rien à faire en fait. Et ça me fait aussi penser à Apocalypse 18 qui dit, voilà, sortez de Babylone afin que vous ne participiez point à ces péchés. Mmh. Et c'est le temps vraiment d'être sauvé, de penser à notre famille proche d'abord avant toute mmh, chose mmh. et après voir par rapport à, enfin, voilà, pour le reste en fait. Mais chacun doit vraiment chercher son salut. Mmh. Chacun doit voir sa vie, faire une introspection en lui-même, voir si véritablement il est bien positionné pour le royaume et ne pas être dans les sentiments. Et c'est vrai ce que disait le frère tout à l'heure, l'homme a besoin de s'assembler. C'est vrai parmi les besoins qu'on nous présente, même en philosophie, on nous dit qu'un des plus grands besoins de l'homme, c'est aussi le besoin de se réunir. Mmh. Et dans tout temps, l'homme a eu besoin de se réunir. Et c'est vrai que quand on quitte un groupe, quand on quitte une masse, on paraît un peu comme un cheveu sur la soupe. On paraît un peu comme un dissident. Mais il faut savoir que la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Mm-hmm. La Bible déclare que aussi les cieux sont élevés au-dessus de nos têtes, les pensées de Dieu sont élevées en fait. Et Dieu... Quand tu marches avec Dieu, Dieu peut nous sortir d'un groupe en fait et nous développer en nous ce caractère de voilà de solitude avec lui. Mmh, mmh. Et c'est très important de penser par soi-même et de ne pas penser par la masse, mmh. de ne pas penser par la foule, de vraiment chercher l'intimité avec Dieu afin d'être sauvé parce que les temps sont très très durs. Mmh. Donc voilà un peu. C'est... Wow. On va ouais. On va te passer le micro. Deux secondes. Bonsoir à tous. Mm-hmm. Donc personnellement, c'est vrai que je n'ai pas connu d'assemblée, mais c'est vrai que j'ai été baptisée catholique par mes parents. Mm-hmm. Je n'allais jamais à l'église. Mm-hmm. C'est vrai que moi, je l'ai fait parce que je voulais vraiment avoir cette intimité avec le Seigneur. Mm-hmm. Et c'est vrai que j'ai posé une question au Seigneur parce que je me suis dit, si là où je suis, je ne me sens pas très bien,
pourquoi autant de religions? Et je ne comprenais pas, j'ai toujours posé la question, mais j'essayais de lui dire, de me répondre. Et c'est vrai, je lui ai dit, le jour où tu me répondras que tu n'es pas un dieu de religion, tu diras, tu me le diras. Et c'est, il s'est avéré que cette question, enfin, il a répondu à ma prière. Et c'est vrai, depuis ce jour, je me suis dit, bon, ben c'est vrai que s'il m'a dit qu'il n'est pas un dieu de religion, là, je saurais où aller. Et c'est vrai que c'est en 2009, justement, quand tu es venu en Guadeloupe, que j'ai eu cette révélation. Donc j'ai dit, voilà, le Seigneur m'a répondu. Amen. Et c'est vrai que pour continuer encore dans le même sens, ou va pour toi-même, il y a juste un verset, justement, dans 1 Timothée 16. 4:16, voilà, qui dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses. » Enfin, c'est vrai que je suis désolée. Non, mais tu peux y aller, pas de soucis. Je n'ai pas. « Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Mm-hmm. » Donc, c'est vrai que ce verset... Tu te sauveras d'abord toi-même. Voilà. Voilà. Avant de sauver les autres. Alors... Bien sûr, nous avons mis une bande d'annonces, hein, donc un slide sur le site de TV de Vie pour l'émission de ce soir. Le titre est Jésus-Christ et agit encore. Et voilà, donc c'est vrai qu'on a tellement de témoignages de ce que le Seigneur accomplit ici et là. Nous avons beaucoup de mails qui nous proviennent de plusieurs pays. Et voilà, des mails qui témoignent, hein, qui attestent que le Seigneur agit encore. Et notamment tout à l'heure, on a reçu un mail d'un frère algérien, et certainement il vit en Algérie, et converti depuis il y a 3 ans, hein, et il était imam, donc c'était un ancien imam, touché par le Seigneur, et donc il a découvert les enseignements sur TV de Vie, et il est tellement touché, alors il demande à ce qu'on lui envoie. Et il pense que la BJC est à vendre. Donc il demande un exemplaire. Je pense qu'on va la lui envoyer. Voilà. Et là, nous sommes vraiment sur ce passage de Genèse 12, 1, où justement il est dit, Yahweh dit à Abraham, va pour toi, hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Voilà. Donc... Et le père de la foi, Abraham, qui nous a bien sûr engendrés. Et nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils et ses filles. Et nous qui professons la foi à Yeshua, mort et ressuscité. Et pour comprendre notre appel, il faut d'abord comprendre l'appel de notre père Abraham. Et pourquoi justement Dieu lui avait demandé de sortir de sa terre. Donc nous avons compris que d'abord ici qu'il fallait d'abord qu'il sorte lui-même, pour lui-même. Va pour toi. Et on retrouve malheureusement dans beaucoup de Bibles, on ne retrouve pas cette phrase. Hein, elle a été omise, donc enlevée. Et comme je le disais tout à l'heure, pardon, un frère m'a apporté cette Bible, donc le Tanakh en hébreu, et on retrouve cette phrase également. Et de Genèse 12, 1, où Hachem, dans cette Bible, Hachem, c'est le nom. Donc, ils avaient tellement peur de prononcer le nom de Yahweh qu'ils l'ont remplacé par Hachem. Hachem dit à Avram, va pour toi. Donc, on ne peut pas sortir avec un groupe tout de suite de gens. Il faut d'abord sortir pour soi-même. Et c'est très important, parce que vous remarquerez que quand on sort même d'une assemblée avec un groupe, et ça finit toujours par se casser. Ça se passe toujours mal. Hein, parce que, et d'ailleurs, on le voit avec les enfants d'Israël, hein, quand ils sont tous sortis. Et parmi eux, il y avait aussi, bien sûr, des ramassis, donc des loups, des infiltrés. Voilà. Et qui étaient sortis parce qu'ils avaient peur, tout simplement, hein, de Pharaon, mais pas par conviction. Hein, donc là, il faut d'abord sortir pour soi-même. Et effectivement, l'exemple que tu as pris tout à l'heure, Benito, de Lot. Et Lot était un homme marié et père de 2 filles. Et Dieu lui demandera de sortir, n'est-ce pas, de Sodome et Gomorre. Et bien évidemment, il a voulu sauver toute sa famille. Et malheureusement, il n'a pas réussi parce que sa femme était tellement attachée
à ces biens terrestres, aux biens terrestres qu'elle a malheureusement désobéi à la parole du Seigneur. Au lieu de continuer son chemin, elle s'est arrêtée pour regarder en arrière. Et elle est devenue, comme vous le savez, n'est-ce pas, une statue de sel. Voilà, donc un bloc carrément. Et donc il faut d'abord sortir pour soi-même. Il faut d'abord prendre conscience que nous avons personnellement, que chaque homme a besoin d'être sauvé, hein, donc de manière personnelle, individuelle, d'être restauré, d'être, n'est-ce pas, en relation avec Dieu. Parce que c'est bien de prier avec des frères et sœurs, mais frères et sœurs, c'est d'abord, c'est encore mieux de prier soi-même avec Dieu. D'adorer, d'avoir personnellement cette relation avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas baser votre vie chrétienne sur, n'est-ce pas, de la sensation, des émotions, sur la notion du groupe, hein, l'effet de la masse, tout ça. Et parce que ça peut être trompeur, n'est-ce pas? Donc, et parce que quand on est nombreux, on se sent fort, comme un peu une meute de loups, hein, donc une bande de, voilà, une horde des démons, tout ça. Il faut vraiment que chacun puisse avoir cette relation avec le Seigneur, parce que quand la persécution va devenir intense en Occident, comment allez-vous faire? Regardez les chrétiens qui sont dans les pays où il y a de la persécution, tels que le Pakistan, où l'on nous brûle, on brûle des chrétiens, et en Chine, en Érythrée, en Afrique, et dans beaucoup de pays musulmans, en Irak notamment, et en Syrie en ce moment. Et comment font ces chrétiens qui sont nés d'en haut, qui aiment le Seigneur? Eh bien, ce qui les aide, ce qui leur permet de tenir, c'est la relation qu'ils ont avec le Seigneur. J'ai eu à partager avec un frère originaire de la Syrie, et qui a émigré dans un autre pays arabe, et où il y a moins de persécution. Et il me racontait justement comment, en Syrie, quand ses parents ont su qu'il s'était converti, alors qu'il était destiné, ce frère était préparé par sa famille pour être imam, quand ses parents ont su qu'il était devenu chrétien, sa mère, ses frères l'ont torturé. Il était enfermé, il était en prison, et ils ont cassé, n'est-ce pas, et un de ses doigts, il me l'a montré, il est complètement tordu. Et il m'a raconté les choses qu'il a vécues et c'était horrible. Et il me disait que ce qui lui a permis de tenir, c'est sa relation personnelle avec le Seigneur. Et je suis convaincu que si la persécution, mes amis, arrive en Occident, une persécution physique, je suis convaincu, ça c'est pas exagéré, plus de 90% des chrétiens de nos églises, mes amis, vont faire allégeance à l'homme impie. Elle est déjà là, elle est là, elle est morale pour l'instant, elle est sociale et elle est spirituelle, parce que pour l'instant, et pour votre information, en France, et si vous êtes une église, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas droit aux prêts bancaires. Pour avoir des prêts bancaires, vous devez absolument être membre de la Fédération protestante de France. Donc c'est une forme de contrainte de persécution, mais elle est très très subtile. Voilà. Donc mais si elle devient physique, j'entends par là, et je suis convaincu que plus de 90% des chrétiens qui sont dans nos assemblées et vont bien évidemment renoncer à l'évangile. Voilà. Il faut que nous nous affermissions, parce que ça va venir. Oui, tout à fait. La parole de Dieu dit que ça va venir. Non, on va te donner le micro pour... Ouais, effectivement. On sera persécuté. Effectivement. Dans le monde entier. D'où l'importance, justement, de sortir, hein, de sortir pour soi-même. Il faut qu'on le fasse. Hein, donc, d'abord, c'est-à-dire, on n'est pas chrétien parce qu'on est dans un groupe. On n'est pas chrétien parce qu'on a suivi la foule. On est chrétien parce qu'il y a eu cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Et comme on le disait hier, notamment... Ça vient le temple, parce qu'on a entendu personnellement la voix du berger. Et là, justement, le père de la foi, Abraham, Dieu l'a appelé et il est sorti pour lui-même. D'accord? Parce que, attendez, il devait sortir de sa terre, donc de son pays, de sa patrie, de la maison de son père. Et vous voyez, il y a quand même des liens qui sont tissés. Et tu as ton père, ta mère, tes frères et sœurs de sang. Cousins, cousines, s'il y a les amis, tout ça, et on est attaché aussi géographiquement, hein, donc à des endroits. Donc là, ben, il faut qu'il y ait un détachement,
Et on comprend ce que le Seigneur disait justement, si quelqu'un disait, si quelqu'un aime son père, sa mère plus que moi, on n'est pas digne de moi. Et alors, en lisant justement cette parole de Luc chapitre 14, et le Seigneur m'a montré plusieurs types de relationnels que nous avons. D'accord. Donc, il y a l'homme avec ses parents, donc cette relation, ça c'est le premier relationnel hein, que nous voyons. Hein, donc l'homme avec ses parents, les parents avec leurs enfants. Donc ça c'est le relationnel familial. Donc il y a un attachement qui est là. Hein, donc notamment l'homme avec sa mère. Vous voyez, c'est ce lien qui est là, avec ce lien physique aussi, hein, le cordon ombilical, tout ça. Et Dieu vient, il te dit, bon, pac, il faut m'aimer plus que ta mère, plus que ton père. Waouh. C'est pas toujours évident. Ouais. Donc, c'est ouais. Fort. C'est fort. Même des fois, prends le micro, ouais. Même des fois, effectivement, quand en tant qu'époux vis-à-vis de son épouse, par rapport aux coutumes, aux cultures, on reste toujours attaché à sa mère. Bien sûr. Donc, c'est humain. Prison, voilà. Donc, c'est vrai que c'est fort. On est resté quand même 9 mois dans hein, le ventre, hein, donc. Et il y a eu une relation assez particulière, et puis cette assistance maternelle dont on a été l'objet pendant des années, et puis pour les mères qui sont dignes hein, de cette fonction et de cette grâce. Et le Seigneur vient, il est tellement jaloux, hein, le Seigneur est tellement... Parce qu'il ne faut pas oublier que avant que nos parents nous connaissent, Dieu nous connaissait. Donc en gros, c'est tout à fait normal qui le demande à être aimé plus que nos parents, parce qu'il est notre premier parent. Il disait à Jérémie, avant que tes parents ne te connaissent, je te connaissais, je t'avais déjà établi. En fait, nous sommes prêtés à nos parents, tout simplement. Voilà. Donc c'est normal que notre père naturel et divin, et spirituel aussi, puisse réclamer cet amour. Et Abraham devait justement quitter tout ça. Et autre chose, il devait partir dans un endroit qu'il ne l'avait jamais vu, qu'il n'a jamais foulé. Hein, donc pourquoi justement Dieu avait demandé à cet homme de quitter justement sa terre? C'est là une question. Mm-hmm. Alors je sais pas si je me trompe. Hein. D'accord. En fait, Abraham, il était Dieu voulait lui montrer déjà. Pour pouvoir évoluer, il fallait qu'il parte de là. Mmh. Il fallait pour... voilà. Parce que la terre promise, elle n'était pas de toute façon là où il était. Mmh. Et il avait aussi un attachement à sa famille. Mmh. Et oui, il avait aussi, je crois, Abraham, je ne sais plus, c'est... justement, celui qui était à Sodome et Gomorre, mmh. Lot, c'est son cousin mmh. ou... Son neveu. Son neveu, il mmh. devait se détacher de toutes ces personnes, en fait, pour faire la volonté du Seigneur. Mmh. Et voilà, mais il ne pouvait pas rester là, parce qu'il avait encore du chemin, le Seigneur voulait l'amener quelque part. D'accord, parce qu'il devait progresser pour voilà, passer à autre chose, d'accord. Progression. Effectivement, ça c'est une des raisons. Mais, et une autre raison que le Seigneur a évoquée, bien sûr, hein, elle est aussi biblique dans la Bible. Mais si on peut prendre... Ouais, frère. Moi, je voudrais faire le parallèle avec la naissance d'en haut. C'est-à-dire d'accord. Quand on accepte le Seigneur dans notre vie et mmh. qu'on veut être baptisé, quelque part, Dieu nous demande justement d'aller ailleurs, mmh. de vivre autre chose mmh. que ce que l'on connaît. Et pour ça, il faut qu'on renonce à tout ce qu'on connaît, à toutes nos traditions, tous nos fonctionnements. C'est vraiment autre chose. Et je pense que c'est... En fait, tant qu'on reste avec les gens autour de nous, avec on n'arrive pas... Le Seigneur avait besoin, comme on disait, de le mettre à part. Mmh. Et pour qu'il puisse complètement changer de fonctionnement, remettre tout en question, recommencer à zéro. D'accord, on remet le compteur à zéro. Et... Voilà. D'accord. Donc, oui, Benito aussi. En fait, l'appel d'Abraham survient juste après l'épisode de la tour de Babel. Mm-hmm. Donc, en fait, le monde était corrompu, en fait. Mm-hmm. Et surtout, comme ça s'est passé, ils avaient quitté l'Orient, donc ça s'est passé dans la région, en fait, mm-hmm. d'où Abraham était originaire. Mm-hmm. Donc, ses contemporains étaient dans la corruption. Mm-hmm. Et Dieu, cherchant à former un peuple, mm-hmm. a appelé Abraham à sortir du milieu de cette corruption, justement. Mm-hmm. D'accord, donc...
Parfait. Donc, il y a Genèse 11, donc il y a cet arrière-plan, justement, babylonien, la tour de Babel, notamment. Il y a aussi un passage dans Genèse, dans Josué 24, justement, verset Josué 24. À partir du verset 1er. Josué, ouais, ouais. Donc, Josué, chapitre 24. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, qui se présentèrent devant Dieu. Et Josué dit à tout le peuple, ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, ont anciennement habité de l'autre côté du fleuve où ils servaient d'autres dieux. Voilà. Mais j'ai pris votre père, hein, verset 3. Mais j'ai pris votre père, Abraham, de l'autre côté du fleuve. Je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et lui donnai Isaac. D'accord, c'est ça. Donc, effectivement, là, Josué donne une précision. Il y a une des raisons, hein, donc, ou je dirais même la raison, une des raisons pour lesquelles le Seigneur a sorti Abraham de la Mésopotamie, donc de la Babylone, tout simplement. Et parce que justement, il dit, vos pères, Térak, père d'Abraham, et le père de Nakhor, ont anciennement habité de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Donc, le père même d'Abraham, Térak, avait des divinités, donc se prosternait devant des démons, adorait des démons. Et ça, c'est terrible. Donc, il servait, nous dit la parole ici. Donc, il était, Térak était serviteur de Satan. D'accord? Et donc, on voit quand même que le père de la foi n'est pas sorti d'une famille propre. Hein. Donc, pour ceux qui ont eu des parents sorciers, ne vous sentez pas condamnés. Et voilà. Donc, avec le Seigneur, Dieu est le Dieu de grâce. Il peut nous sortir de n'importe quelle situation, si, bien sûr, nous lui faisons confiance. Donc, on apprend que, et je crois que dans d'autres versions, ils disent qu'ils adoraient, hein, si je ne me trompe, tout ça. Donc, et là, c'est vraiment servir. Bien sûr, la notion de l'adoration, mais le service encore, voilà, parce qu'on peut simplement se limiter à l'adoration comme ça, et puis, mais là, c'est vraiment être serviteur, carrément, de cette de divinité. Or, une des divinités adorées, justement, à cette époque, et c'était, justement, et Sémiramis, Tammuz, tout ça, et Marduk, et Bel, hein, donc il y en avait plusieurs comme ça, et c'était vraiment des démons terribles. Et le père d'Abraham, justement, adorait, servait ces divinités-là. Donc ils étaient de l'autre côté du fleuve. Donc vous voyez vraiment la notion de la séparation. Donc Dieu vient. Et il fait traverser, hein, n'est-ce pas, Abraham, ce fleuve. Hein, pour le fleuve était comme une frontière, hein, voyez, qui marquait cette frontière. Voilà. Et Dieu vient et il fait traverser le père de la foi cette frontière, ce fleuve, et pour l'amener ailleurs. Voilà. Donc et Térak, justement, son nom signifie retard. Hein, donc et on comprend pourquoi. Justement, et regardez bien d'ailleurs, dans Genèse 12, justement, Benito, au verset 1er, Genèse chapitre 12, verset 1er, oui. Or Yahweh dit à Abraham, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père vers la terre que je te montrerai. Mm-hmm. Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras béni. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mm-hmm. Abraham donc partit comme Yahweh lui dit, et Lot alla avec lui. Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de Charan. Ok, on apprend ici qu'il était sorti de quel pays? De Charan. Ok, donc il sort de cette ville, de ce pays, donc Charan ou Charan, et on apprend que donc c'est de là qu'il est sorti pour aller à Canaan, d'accord. Et mais remarquez, frères et sœurs, que
Dieu ne l'avait pas appelé pour aller à Charan, hein, donc ou à Charan. Dieu l'avait appelé pour aller à Canaan. Et le Seigneur lui avait dit, vers un pays que je te montrerai. Or, Dieu ne lui avait pas montré Charan. C'était un arrêt, n'est-ce pas, complètement charnel. D'accord? Donc, il y en a qui sortent, c'est vrai, ils sortent de Babylone, mais ils s'arrêtent au mauvais endroit. D'accord? Ils s'arrêtent là où Dieu ne les voit pas. Et vous allez comprendre pourquoi Abraham plus tard, va s'arrêter à Charan, alors que ce n'est pas là que Dieu l'avait appelé. Et si on lit ce passage de Genèse 12, 1 à 4, on a l'impression que, n'est-ce pas, Dieu, l'appel d'Abraham a eu lieu à Charan. Or, Charan n'était pas la Mésopotamie. N'est-ce pas? Parce que Dieu a appelé Abraham quand il était en Mésopotamie. Et là, on apprend qu'il sort de Charan ou de Charan. Qu'est-ce qui se passe? En fait, pour comprendre cela, il faut aller dans Actes chapitre 7. Pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Et Actes des Apôtres chapitre 7. Voilà. Et nous lisons à partir du verset 1er. Alors le grand prêtre lui dit, ces choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez-moi. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et lui dit, voyez, sors de ton pays et de ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Donc, il sortit donc du pays de Chaldéens et alla demeurer à Charan. Voyez? Et donc, Dieu, on apprend ici que l'appel qu'Abraham a reçu, il l'a reçu en Mésopotamie. Mais quand on lit Genèse 12, 1 à 4, 1 à 5, on a l'impression que c'est à Charan qu'il a reçu cet appel. Alors que ce n'est pas le cas. Étienne nous donne un détail que Genèse ne mentionne pas. D'accord? On apprend que c'est bel et bien en Mésopotamie, donc que cet homme, le père de la foi, Abraham, a reçu l'appel, l'ordre de quitter, hein, de sortir pour lui-même, hein, pour se retrouver d'abord lui-même, parce que j'imagine que son père, servant bien sûr des démons, Abraham ne pouvait pas se retrouver parce qu'il était complètement mélangé certainement. Et donc, Dieu l'appelle à sortir de la Mésopotamie. Et qu'est-ce qu'on apprend? Donc, avant qu'il ne s'établisse à Charan, il avait déjà reçu l'appel. Et il sort de son pays. Et qu'est-ce qui va se passer? Et il va demeurer à Charan. Or, ce n'est pas là que Dieu l'avait appelé. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Abraham s'établisse à Charan? Là où Dieu ne le voyait pas. En fait, Genèse 11 nous donne ce détail. Genèse chapitre 11. Le verset 31. Térak prit son fils Abram et Lot, fils de son fils, qui était le fils de Haran, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Charan, et ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Et les jours de Térak furent de 255 ans, 205 ans, pardon, puis il mourut à Charan. Voyez? Donc, Abraham reçoit l'appel de la part du Seigneur à Mésopotamie de sortir de ce pays. Et ce n'est pas lui-même qui est sorti, ce n'est pas lui qui a pris l'initiative de sortir, c'est son père qui va le prendre et il va le sortir, n'est-ce pas, de là jusqu'à Charan. Et Abraham a obéi à son père. N'est-ce pas? Au lieu d'obéir au Seigneur, de continuer sa route jusqu'au pays où Dieu allait lui montrer. Dieu ne lui avait pas montré Charan. Ça, c'est la vision de son père. D'accord? Et rappelez-vous bien que son père, son nom signifie retard. Donc Abraham, père de la foi, a eu du retard dans sa course vers Canaan.
Et heureusement que Dieu est notre Père, est un Père plein de bonté. Il est, mes amis, tellement bon qu'il nous rattrape malgré nos erreurs. D'accord? Et on comprend cette parole qui dit que, Paul disait dans Philippiens 1, que celui qui a commencé cette œuvre, hein, il va l'achever. Et Dieu ne se répand pas de ses dons, de son appel. Et Abraham a pris du retard à cause de son père, les sentiments. Les sentiments. Dieu lui dit, va dans un pays que je te montrerai. Et son père, le sort, précède à Abraham, l'amène, le conduit à Charan. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pourtant ont reçu un appel authentique de la part du Seigneur. Et à cause des sentiments, au lieu d'écouter plus le Seigneur, il y a beaucoup de prédicateurs, des messagers et messagères que Dieu a appelés. Au lieu d'écouter plus le Seigneur par rapport à ce qu'il attend d'eux, ils vont partager la vision que Dieu leur donne aux uns et aux autres. Et ils vont se mettre à écouter plus leurs enfants, plus leurs parents, plus leurs maris, plus leurs femmes, plutôt que Dieu lui-même. Et Abraham, Dieu ne lui avait pas dit de prendre Lot avec lui. Dieu lui dit, sors pour toi. Va pour toi. Et Abraham se laisse sortir par son père. Donc, retard, Terak, dont le nom signifie retard. Deuxièmement, il sort avec Lot, dont le nom signifie voile. Et Lot était aussi son neveu. Donc, vous voyez bien que Abraham était aussi très dans les sentiments. Hein. C'était un homme avant tout. Il était sentimental. Hein. Et là, ils arrivent à Charan. Combien de temps s'est-il écoulé avant que Dieu de nouveau ne demande à cet homme de sortir de Charan pour aller dans le pays qu'il allait lui montrer? Nous ne le savons pas. D'accord? Mais nous savons simplement que Genèse 12, Dieu vient et il dit à Abraham, sors. Donc Abraham avait reçu cet appel bien avant, bien sûr. Et une fois que Terak était mort, une fois qu'il est mort, hein, donc et là, bah, Abraham va rattraper son retard. Et il va sortir de Charan. Je voudrais poser une question à vous tous qui suivez cette émission ce soir. Vous qui espérez aller au ciel. Est-ce que vous êtes, pensez-vous être là où Dieu vous voit? Ça peut être un péché dans lequel vous êtes. Est-ce que c'est là que Dieu vous voit? Une compromission, je ne sais pas. Le doute, la peur. Est-ce que l'endroit où vous êtes, est-ce que là où vous vous situez actuellement, est l'endroit où Dieu vous voit? Est-ce que ce que vous faites actuellement, est-ce que c'est ce que Dieu vous a demandé? Parce que le retard qu'Abraham avait pris, n'est-ce pas, a coûté aussi la vie de son père. Dieu a enlevé son père. Oui, parce que aucun homme ne peut mourir sans la volonté, mes amis du Seigneur. Satan ne peut pas tuer même une mouche sans demander la permission au Créateur. Job nous dit que Dieu tient l'âme de tout être vivant dans sa main. Donc, vous voyez que, à cause des sentiments, vous pouvez, mes amis, devenir un danger pour vos proches. Parce que Dieu, il est amour. Mais il peut aussi enlever nos proches si jamais nous sommes dans les sentiments, si nous ne voulons pas obéir à sa parole. Je vous dis, c'est biblique. Voyez? Et c'est pour cela. Il faut plus obéir au Seigneur qu'aux hommes, qu'à soi-même. Parce que l'obéissance au Seigneur va aussi vous apporter la protection de votre entourage, de vos familles, vos femmes, vos enfants, vos maris. Et c'est pour cela que les maris dignes de ce nom, maris spirituels bien sûr, ne peuvent que encourager leurs femmes à répondre à l'appel du Seigneur. Les hommes dignes de ce nom ne peuvent qu'encourager, les femmes dignes de ce nom ne peuvent qu'encourager leurs maris à répondre à l'appel du Seigneur. Parce que une femme qui empêche son mari de répondre à l'appel du Seigneur, frères et sœurs, si cet homme est appelé à sauver 10 000 personnes, 1 million de personnes, et que chacune d'elles va sauver 10 000, vous imaginez? Dieu va avertir
Et s'il voit que la personne refuse de laisser son mari servir le servir, ben Dieu peut, mes amis, enlever la personne. Oui, Dieu est souverain, il est tout puissant, il ne faut jamais l'oublier. Et il n'a de compte à rendre à personne. Donc Abraham a connu deux épisodes, n'est-ce pas, qui ont failli l'empêcher de rentrer dans son appel. Le premier, c'est son père, Térak. Retard, et il est mort. Et Abraham sort de Charan, c'est-à-dire là où vous êtes, parce que Dieu ne vous voit pas là, il vous sortira de là. Mais à quel prix? À quel prix? Ça peut vous coûter cher. Et le deuxième épisode que Abraham plus tard a connu, c'est celui de son neveu. Et rappelez-vous bien que le père de Lot était mort, frère d'Abraham. Donc Abraham s'est senti certainement dans l'obligation de soutenir, n'est-ce pas, d'adopter son neveu. Il a comme, n'est-ce pas, pris la place de son père. Voyez, mais Lot n'était pas destiné à servir Dieu avec à côté d'Abraham. Non. Lot, neveu d'Abraham, va devoir, n'est-ce pas, partir loin de cet homme. Et Genèse 13 nous dit qu'Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et il y a eu querelle entre les bergers du troupeau de Lot et les bergers du troupeau d'Abraham. Et il n'y avait pas assez de place pour les deux. Et Abraham reçoit l'inspiration du Seigneur pour se séparer d'avec son neveu. Et Genèse 13 nous dit que Abraham va appeler son neveu pour lui dire, nous sommes frères. Nous sommes frères. Mais nous ne pouvons plus continuer comme ça. Choisis le lieu où tu veux y aller. Et l'autre lève les yeux, il voit la plaine, n'est-ce pas, de Sodome et Gomorre, qui était comme un jardin d'Éden, bien arrosé. Il avait, n'est-ce pas, un regard charnel. Il voyait les choses de manière charnelle. Et on ne peut pas marcher avec les hommes et les femmes charnels à nos côtés. C'est impossible. On ne pourra pas faire l'œuvre du Seigneur avec des hommes et des femmes charnels qui ne pensent qu'à la terre, qui ne voient pas le Canaan et qui ne voient que Sodome et Gomorre, qui ne voient que les richesses de Sodome et Gomorre, qui ne voient que les réjouissances éphémères de ce monde, qui ne voient que l'argent, qui ne voient que leur ventre, qui ne pensent qu'au ministère, 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 les titres. Et là, il aurait fallu qu'Abraham, père de la foi, fasse un choix terrible. Et il demande à son neveu de partir. Et la parole nous dit, après cette séparation, de l'endroit où se trouvait Abraham, Dieu lui dira, lève les yeux, regarde, toute cette nation et tout ce pays, je te le donne. Frères et sœurs, quand, une fois que le voile était ôté, Abraham a pu voir. Vous vous rendez compte? Tant que le voile était là, il ne voyait pas. Parce que Lot, son neveu pourtant, était pour Abraham un voile. Et il y a des personnes, Paul dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Vous ne pouvez pas, Paul disait, Dieu disait dans Deutéronome, il ne faut pas mettre ensemble un âne avec un bœuf pour travailler dans un champ. Parce que l'âne est têtu. L'âne est un animal de transport, le bœuf est un animal de champ. Pour le champ. Donc vous voyez, deux animaux avec deux fonctions différentes. Paul dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? On ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur avec la foule. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu, mes amis, avec des lots. Les lots, on les chasse. Sagement, on s'en sépare. Les Térak meurent. Le retard, c'est pas bon. Dieu n'aime pas le retard, frère. Il est toujours ponctuel. D'ailleurs, il s'appelle Je suis. Donc, il a toujours été là. D'accord? Et la séparation. Vous savez, Abraham a connu la sortie de son pays et aussi la séparation.
Or, pour rentrer dans sa destinée, il faut faire... En fait, il y a une... la sortie, elle est continue, elle est continuelle, elle est permanente. Il y a des niveaux, des degrés. À chaque fois, Dieu nous demande de sortir. Et à chaque sortie, il y a aussi une séparation qui s'ensuit. Et ce n'est pas toujours facile. Et vous savez, mes amis, celui qui veut faire l'œuvre du Seigneur, et surtout dans les Écritures, hein, j'ai pu, en lisant les Écritures, je me suis rendu compte que ceux et celles qui ont marqué véritablement leur génération étaient des hommes et des femmes solitaires. Abraham voit toute cette richesse-là parce qu'il y a eu la, justement la séparation. Et on a vu le choix de Lot. Lot vivait au milieu des impudiques. Son âme était journellement tourmentée, mais il continuait quand même à rester dans la Sodome et Gomorre. Pourquoi? Je suis convaincu, mon frère Benito, parce que sa femme, qui était tellement charnelle, aimait. Elle devait lui dire, chérie, s'il te plaît, on reste à Sodome et Gomorre. Lot siégeait avec les anciens de Sodome et Gomorre, donc il occupait une fonction quand même hein, privilégiée, tout ça. Et sa femme, bien sûr, aimait se faire... Elle aimait voir son mari dans cette position. Parce que le fait de regarder derrière elle comme ça, c'est qu'elle aimait le monde. Vous voyez, l'autre était tellement charnel qu'elle a épousé une femme doublement charnelle. Mes amis. Oh, que Dieu nous garde. Donc, je ne sais pas. Hein, c'est... Ah, Seigneur Jésus, mon Dieu. Voilà, la séparation. Il y a chacun a son lot. Hein? Benito, qu'est-ce que j'en pense un peu? C'est fort, hein? tu as bien résumé la situation. T'en as eu plein aussi chez toi là. Ouais, pas mal, hein? Pas mal. Mm-hmm. Mais je pense que la sanctification va aussi jusqu'à dans nos relations. Bien sûr. Il faut aussi sanctifier nos relations. Amen, amen. Parce qu'il y a des relations qui nous empêchent de faire l'œuvre de Dieu. Mm-hmm. Et plus ça va, plus Dieu est exigeant à ce niveau-là aussi. Mm-hmm. Donc on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec les sentiments humains. Mm-hmm. Quand quelque chose ne va pas, même dans nos relations, il faut sanctifier. Mm-hmm. Et qui veut dire sanctifier, dire voilà, couper, mm-hmm. Séparer, bagal. Hein. Mm-hmm. Donc vraiment couper, séparer et continuer à avancer. Voilà. Mm-hmm. C'est pas parce que Abraham s'était séparé de Lot, on le voit par la suite, puisqu'il va délivrer Lot quand il y avait la guerre. Mm-hmm. Séparé de Lot qui n'aimait plus Lot, non. Mm-hmm. Quand Lot était en péril, il est parti chercher le délivrer. Quand Lot était encore doublement en péril, il priait pour lui. Mm-hmm. Donc la séparation ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Non, c'est mm-hmm. faux. Mm-hmm. C'est faux. On s'aime, mais pour ce qui est de l'œuvre de Dieu, en tout cas, il faut se sentir. Pas de sentiment. Voilà. Oh, parce que tu es mon neveu, voilà, tu es mon frère, non. Tu es ma tante, tu es mon et père. C'est très important à le rappeler parce que on a tellement une mauvaise notion de l'amour que, voilà, quand on applique cette rigueur, on nous prend pour des tyrans, des méchants, des truands. Non. L'œuvre de Dieu a des principes et on ne peut pas la faire avec des sentiments humains. Au bout d'un moment, il faut se séparer. Donc, mm-hmm. voilà. Mm-hmm. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que souvent Dieu nous dit de sonner la trompette. Mmh. C'est-à-dire que dans notre vie, il nous dit que si on voit quelqu'un qui fait ce qui est mal, on doit l'avertir. Mmh. Mais souvent, bon, on s'y prend mal. Il y a aussi la chair. Mais quand même, quand on avertit la personne... Si la personne refuse de se remettre en question, bon, elle va peut-être le faire plus tard. Mais si la personne refuse de se remettre en question, on doit aller jusqu'au point où on doit se séparer de la personne. C'est-à-dire qu'on n'a pas à convaincre la personne, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Mm-hmm. Mais on ne peut pas faire comme si... comme s'il n'y avait pas de problème, comme s'il n'y avait rien. C'est le problème des assemblées. C'est que plus personne ne dénonce le péché parce que tout le monde est dans le compromis, tout le monde... Or, voilà, c'est exactement ça. Or, Dieu veut que si moi j'ai un problème, mon frère puisse me montrer mon problème et que je me remette en question. Mais que si moi aussi je vois quelqu'un qui a un problème aussi, je dois... aussi l'avertir. Et s'il refuse, je ne peux plus le considérer comme mon frère. Mmh. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. S'il cherche à se justifier, s'il dit que ça n'est pas un péché, on ne peut pas accepter ça. Mmh. On doit se séparer d'une personne qui se comporte comme ça.
ça fait très très mal, parce que c'est dans notre famille, c'est dans notre vie de tous les jours, dans nos assemblées, ça c'est très difficile. Mais voilà, je sens que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Mmh. C'est-à-dire que, quitte à c'est ce que dit Paul, soyez comme en étant marié, comme si vous n'aviez point de femme. C'est-à-dire que il faut être prêt à renoncer à chaque instant. Mmh. Maintenant, quand on dit renoncer, ça ne veut pas dire rejeter la personne. Mmh. Mais on ne peut pas la considérer comme quelqu'un qui marche dans la voie de Dieu. On doit bien considérer que la personne, c'est une personne qui a gagné. On ne peut plus vivre la même chose que quand on est... et d'ailleurs, souvent, Dieu va utiliser des moments comme ça pour après amener la réconciliation. Mmh. Ça serait bien que tu viennes aussi souvent pour exhorter... Amen. Tu veux des vies, quand tu le peux, tu... Avec joie. Ah, alléluia, c'est la télé de tout le monde, hein, de frères et sœurs, et TV du Seigneur. Ouais, donc, toi, tu... Ouais, j'aimerais en fait juste encore dire une chose. Mmh. C'est que... il y a une chose qu'on oublie, c'est qu'il y a plusieurs manières de tomber. En fait, il y a plusieurs voies mm-hmm. qui peuvent nous mener à l'apostasie. Mm-hmm. Et une des voies qui est très négligée, mm-hmm. c'est l'apostasie par alliance. Mm-hmm. C'est-à-dire le fait de s'allier avec, avec des principes ou s'allier avec des personnes peuvent nous faire tomber dans l'apostasie, peuvent mm-hmm. nous éloigner complètement de Dieu, en fait. Mm-hmm. Peut faire que Dieu se détourne de nous parce mm-hmm. que c'est une alliance que mm-hmm. Dieu n'agrée pas. Mm-hmm. D'ailleurs, il va le dire dans Ésaïe que mm-hmm. On ne fait pas d'alliance sans lui, en fait. Mm-hmm. Et justement, par rapport à ça, il y avait un passage que je lisais, que j'ai apprécié justement dans cette version, dans cette traduction, dans Ecclésiaste, qui dit que... Il faut que je trouve Ecclésiaste, parce que c'est vrai que... Ouais, on est tous... on redevient comme des enfants, là. Ouais, Ecclésiaste qui dit que, voilà, une mouche fait fermenter toute l'huile et... J'ai bien aimé comment c'était décrit dans cette version, Ecclésiaste 10.1, si je... Si quelqu'un le trouve avant moi, parce que... Voilà. Je suis... 1077. D'accord. Ah, 777, ouais. Ouais. Voilà. 777. Ah ouais, c'est la réforme. Hein. 777, parfait. Ok, oui, voilà. Ecclésiaste 1, il est dit, si les mouches mortes font puer et fermenter les parfums du parfumeur, et un peu de folie, mm-hmm. juste un tout petit peu de folie produit le même effet à l'égard de celui qui est estimé pour sa sagesse et pour sa gloire. Il suffit juste d'un peu, en fait, pour avoir le même effet. Et quel était cet effet? Bah, c'était le fait de puer et d'être fermenté, c'est ça, si je... Mmh, c'est ça. De ne plus être agréable à Dieu, en fait. Certaines alliances font qu'on n'est plus agréable à Dieu. Parce que on tombe directement dans le compromis. Il y a des gens avec qui on ne peut pas s'allier. Il y a des personnes qui confessent des doctrines avec qui on ne peut pas s'unir. Et voilà, tout simplement. Et c'est ça. C'est vrai que c'est fort hein, comme passage. Hein. Les mouches mortes font puer et fermenter les parfums du parfumeur, et un peu de folie produit le même effet à l'égard de celui qui est estimé pour sa sagesse et pour sa gloire. Voilà. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, pendant que le frère parlait, il y a une pensée qui me venait par rapport à Lot. Et Lot peut représenter aussi notre chair. Hein, la chair de l'homme. Et qui est une tente, hein, donc le corps, le physique. Donc la chair, aussi le vieil homme, peut aussi être une forme de Lot qui nous aveugle. Voilà. Lot, ça peut être aussi l'argent. Ça peut être aussi le bien de ce monde et qui nous aveugle. Et puis Térak, pas pareil, hein, donc ces deux noms, Térak et Lot, peuvent aussi représenter des situations, des objets. Et alors que l'appel que le Seigneur nous a adressé, c'est pour sortir d'un endroit et aller dans un autre. On sort de la Mésopotamie comme Abraham, Babylone aujourd'hui, et, donc pour aller, bien sûr, vers
le Seigneur. Il y a juste un passage dans Hébreux 11. Parce que beaucoup de frères et sœurs se posent certainement la question à savoir comment faire justement pour arriver jusqu'au bout, hein, de la mission, de notre parcours et, terrestre. Mais justement, dans Hébreux chapitre 11, et à partir du verset, nous lirons à partir du verset 8. Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour aller sur la terre qu'il devait recevoir un héritage, et il partit sans savoir où il allait. Donc on apprend ici que quand il est sorti, il ne savait pas où il allait. C'est pour cela qu'en tâtonnant comme ça, ben, ils se sont arrêtés sur Charan. Et voilà, donc il faut vraiment veiller. Et c'est comme un peu Paul dans Actes 16. Hein. Et il tâtonnait, à deux reprises il a tâtonné. Donc il s'est retrouvé dans un endroit où il fallait, où Dieu ne l'avait pas fortement appelé. Et pendant la nuit, un Macédonien va lui demander de passer à Macédoine pour le secourir, et secourir également ses compatriotes. Donc, et Abraham sort par la foi. Donc, on comprend qu'on ne peut pas sortir d'un endroit, on ne peut pas se séparer d'avec des lots si on n'a pas foi en Dieu. D'accord? Donc, comment faire? Parce que beaucoup de on peut entendre des questions, hein, ce soir. Comment faire pour sortir, frère? Comment faire? On aimerait bien sortir, on aimerait bien quitter tel péché, telle chose, mais comment faire? Eh ben, il faut la foi. Eh ben, vous me direz, mais comment faire pour avoir la foi? Eh ben, Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il faut méditer la parole de Dieu. Vous devez avoir une vie de méditation quotidienne de la parole. Lisez la parole de Dieu. D'accord? Chez vous. Pas d'abord en groupe, mais d'abord personnellement. Donc, plus vous allez méditer la parole de Dieu, plus vous allez prier chez vous, plus vous aurez la foi qu'il faut pour pouvoir sortir. Parce que quitter toute cette richesse-là que l'on peut avoir. Alléluia. Moïse nous dit la parole, il a regardé la richesse de l'Égypte comme de la saleté. Et il a regardé, n'est-ce pas, l'opprobre de Christ comme une richesse. Il refusait d'être appelé prince. Pourquoi? Parce qu'il avait foi, justement. Donc, c'est la foi. On sort par la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, ce n'est pas le fait de marcher par la vue, mais de croire que Dieu ne va pas nous abandonner. Je vais vous donner un exemple. Un témoignage. Quand Dieu m'a appelé, quand il m'a appelé, frère, pour sortir de nos assemblées, ben, j'étais bien, physiquement parlant, et pastoralement parlant. Et j'étais bien. J'étais dans les avions tout le temps, allant partout aux États-Unis, Canada, prêcher dans les assemblées de 5 000, 10 000 personnes, être dans les hôtels 3-4 étoiles. Prêchant la parole pendant une semaine et avoir des grosses enveloppes. Mais quand Dieu m'a dit « Sors », mes frères, j'ai réalisé que j'allais perdre tous ces contacts. Et il fallait obéir, parce que comment faire pour vivre? Il fallait obéir. La foi. La foi, c'est la richesse, mes amis, c'est une grande richesse que Dieu nous a donnée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on apprend? Par la foi, il demeura comme étranger sur la terre qui lui avait été promise, comme si elle ne lui avait pas appartenu, n'est-ce pas? Demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, qui étaient héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, il est sorti parce qu'il a vu cette cité par la foi. Donc, vous ne pouvez pas, Dieu sait que l'homme ne peut pas sortir d'un endroit sans avoir vu, hein, l'endroit qu'il doit recevoir en héritage. Et c'est aussi ça la foi. La foi, c'est le fait de voir les choses dans l'esprit. Ce n'est pas de manière charnelle, pas en cherchant des visions de songe, non. Dieu nous montre ces choses-là par la foi. Et on saisit, et automatiquement on compare, comme Paul disait, que les choses qui étaient pour lui, des choses qui étaient pour lui, des grandes choses, des choses de ce monde, il les a considérées comme, n'est-ce pas, estimées comme de la boue, n'est-ce pas, comme du fumier, à cause de la révélation qu'il avait de Christ. Vous ne pouvez pas sortir de Babylone, du péché, si vous n'avez pas reçu une révélation de Christ. Notre foi
mes amis, est nourri par la révélation. Sachez que Dieu est celui qui se révèle. Tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père. Vous ne pouvez pas sortir. Regardez les belles choses de ce monde. Si Dieu ne se révèle pas à vous, charnellement parlant, aucun homme ne peut les abandonner. C'est impossible. Et là, il sort, il est dit au verset 10, car il attendait la cité. Donc il y avait une attente. Par la foi aussi, Sarah reçut la force de concevoir un enfant et elle enfanta hors d'âge, parce qu'elle fut persuadée que celui qui le lui avait promis était fidèle. Et au verset 14, car ceux qui tiennent ces discours montrent clairement qu'ils cherchent encore leur patrie. Et certes, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Maintenant, ils en désirent une meilleure. Vous voyez, donc, donc leur vue n'était plus terrestre. Leur vision n'était plus terrestre. Et pour rester maintenant, une fois qu'on est sorti, c'est bien de sortir, mais il faut continuer à sortir. Parce qu'on peut sortir et s'arrêter à Karan, hein, et bâtir encore une religion. Il faut sortir. Mais pour continuer à sortir tout le temps, il faut avoir aussi en permanence une vision céleste. C'est pour cela que Yeshua disait « chercher d'abord ». Dans le verbe « chercher », dans le grec, c'est « chercher jusqu'à trouver ». D'accord ? Chercher jusqu'à trouver. Donc, or, présentement, nous n'avons pas encore trouvé. Par la foi, oui. Mais nous ne sommes pas encore dans ce royaume de manière globale, totale. Donc, nous devons continuer à chercher le royaume des cieux. Tous les jours. Je prends un exemple. Dieu nous fait vivre des rayons, des choses magnifiques ici pendant 2 ans et 8 mois. D'accord ? Des choses glorieuses. Des guérisons terribles, des miracles terribles, des gens qui viennent de partout. C'était magnifique. Et on pouvait rester à Évry, hein, qui allait se transformer en Charan, hein, à Karan. Et Dieu n'a pas voulu que ce lieu soit transformé en Karan. Et il nous a dit, abandonnez, laissez, passez à autre chose. Mais il y a toujours des gens qui viennent pour dire, mais tu sais, vous savez que vous savez. Quelqu'un est venu me voir hier pour me dire au programme, à sa ville, au temple, Dieu m'a donné un songe, me disait ce frère, pour construire, que tu construises un grand temple, tout ça, là, il faut que tu construises. Je dis seulement, j'écoutais seulement. Il dit, en une même nuit, j'ai reçu cette vision 4 fois de suite. Ça m'a fait rire, mais je te dis. Voilà, tu te rends compte. Donc, il était vraiment dans mon cœur, je disais, mon ami, si tu savais. Donc, vous voyez que il y a quand même des gens qui veulent que vous restiez à Karan. Vous voyez, Pierre dit à Yeshua sur la montagne de la transfiguration, Seigneur, il y a tellement la gloire ici, laisse-nous dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Hein. Nous, on va dormir dehors, c'est pas grave. Mais on veut rester sur la montagne. Or, au pied de la montagne, il y avait des procédés à délivrer. Mais Pierre ne voulait plus s'en occuper. Hein. Ce n'était pas son problème. Lui, c'est de rester là seulement. Là. Hein? Pierre était marié. Hein? On nous dit que sa belle-mère avait la fièvre un jour. Hein? Mais il a oublié également sa belle-mère. Ses enfants, sa femme, ce n'est pas un problème. Restons ici. Tu vois que Yeshua avait une mission de sauver les malades, les pauvres. Mais Pierre a voulu le détourner de sa vision. Il avait des pensées charnelles. Et si on est avec des mauvaises personnes, mon frère Benoît, on va bâtir des tentes sur la montagne de la transfiguration, d'où la religiosité, la religion. Quand Dieu a appelé mes amis Calvin est surtout de la religion, non? Quand il est mort, ses disciples ont créé la religion. Hein? On les appelle les calvinistes, c'est tout ça. Et quand Luther est sorti, les luthériens sont sortis aussi. Il est mort, et voilà les luthériens. C'est pour cela, frère, je vous en suis. Moi, il n'y a pas de bénitoïste ou de bénitoïste ou je sais pas quoi, ou de benoïste, je sais pas quoi, de choriste. Si j'entends des choristes ou de couettistes, on va vous faire la guerre avec la parole. Pas charnellement, mais on va vous dénoncer. Parce que c'est, les gens veulent rester, ils te disent, ils s'accaparent des gens, ils accaparent les gens et ils les transforment en statues. Gédéon délivre le peuple. Et le même peuple dira, Gédéon, domine sur nous. Toi et tes enfants. Gédéon dit non. L'homme n'a pas changé depuis tous ces temps. Qu'il soit noir, blanc, jaune, marron, chocolat, antillais, africain, arabe, asiatique, je sais pas quoi. Satan n'est pas, il n'a pas de nationalité, frère. La chair domine sur nous. Voilà un peuple libéré. Mais qui ne veut pas de la liberté.
Les gens ne veulent pas être libres. On dit bien que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ils viennent et disent, nous avons reçu une vision pour que tu construises un temple. Est-ce que vous vous rendez compte? Oui. S'il te plaît. Il y a un chant qui n'arrête pas de venir dans mon esprit depuis tout à l'heure. Dieu m'a donné une mélodie pour mettre sur un verset depuis très longtemps. Je lisais ce verset et Dieu a voulu que je puisse le méditer souvent. Donc il m'a donné une mélodie pour que je le chante, pour qu'il puisse entrer vraiment en moi. Et ça parle de ce que tu disais hier à propos de la répétition, que dans ce verset, Dieu répète deux fois un mot. Et puis aussi, ça parle beaucoup de sentiments. Donc, je sens que c'est le moment maintenant de le chanter. Comme tu disais qu'on chante un chant chacun dans sa langue. Bien sûr. Voilà. Et c'est un chant que Dieu m'a inspiré. Tu peux. Une mélodie simplement, puisque c'est tiré d'un verset. D'accord. C'est dans Ésaïe 26. Il dit... À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix, parce qu'il se confie en toi, la paix, parce qu'il se confie en toi. Et en fait, ce chant, il me vient à l'esprit parce que depuis tout à l'heure, on parle de sentiments. Et vraiment, on doit considérer d'abord les sentiments qu'on a pour Dieu, les sentiments que Dieu a pour nous. Et c'est vraiment ça, quand on parle de « va pour toi », de se séparer. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on ne peut pas être sentimentaux avec les autres, parce que comme tu disais, sinon, si on fait des compromis, en fait, ces gens vont toujours nous attirer vers le bas. Il faut qu'on puisse se séparer d'eux pour que Dieu se serve de nous pour les ramener sur la voie. Mais dès qu'on fait un compromis, en fait, c'est fini. On est perdu, on a quitté la voie du Seigneur. Et les autres se perdent aussi. Et les autres perdent aussi. Il faut qu'on soit prêt à se séparer d'eux pour qu'après, Dieu puisse les toucher et les ramener. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Justement, et c'est vrai que ce n'est pas pour sentiment. Et ce verset dans Ésaïe 26, 3, et justement, Ségon a mis sentiment. En fait, ça n'a rien avec les sentiments. C'est vrai que la notion de sentiment, c'est clair, elle est... Et là, on est en tant qu'humain, on a beaucoup de sentiments complètement, parfois très charnels, et des émotions, tout ça, et Dieu veut nous en débarrasser. Et bien, c'est un passage que j'ai beaucoup aussi cité dans le passé, hein, mais en travaillant cette révision de la Bible, justement, nous sommes aperçus que Ségon, c'est lui qui a mis sentiment, en fait, dans ce passage. Et certes, il y a des passages qui parlent de sentiments, et là, je ne sais pas si quelqu'un peut le lire, là. Ouais, tu peux le lire. Hein. Tu gardes dans la paix, celui dont les desseins s'appuient sur toi, parce qu'il se confie en toi. Voilà. C'est exactement ce que j'avais compris, sans avoir la version, cette version-là, mais c'est cette pensée-là que j'avais compris. Mais c'est ça. C'est vraiment... Et puis d'ailleurs, le mot paix aussi ici est utilisé deux fois de suite. Hein. Voilà, dans la paix. Et shalom. Et c'est terrible. Et là, Ségon a massacré ce passage. Et c'est impressionnant quand on est tombé dessus pour cette révision. On se dit, mais Seigneur, mais c'est terrible. Comment est-ce qu'il peut. Je ne sais pas comment il a fait pour pouvoir massacrer ce passage.
Et hein, Nicolas. Est-ce que tu peux le lire dans un second là? Tu cherches, ouais. C'est quand même impressionnant, quoi. Quand on lit ça en hébreu, ça n'a rien à voir, mais Seigneur. Mais second, c'est ce que je viens de chanter. Hein. Ouais, c'est celui ça. Qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Mmh. La paix, il répète quand même deux fois. Il répète deux fois? Oui, oui. La paix parce qu'il se confie en toi. D'accord, mais on va parce que... À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. D'accord, mais il n'y a pas une autre seconde où il met la paix possible, une seule fois? C'est possible, il y a plusieurs versions. Les dernières révisions. Les dernières révisions, ils ont restauré, je crois. Non, peut-être ils enlèvent. C'est la ça vient deux fois, ils ne comprennent pas. Donc. Ils ne comprennent pas, ils enlèvent. Ça, okay. C'est 1910. Ah, ben voilà, 1910, c'était c'est un peu correct. Ouais. Il y a quand même ils ont respecté quand même pas mal de mots. Là, je crois que la Schofield, si je me trompe, je ne sais pas si quelqu'un a la Schofield, là. Et, je crois qu'ils ont mis ça une seule fois. Et puis, c'est vraiment la notion de s'appuyer, hein, de s'appuyer vraiment sur le Seigneur. Mmh. Et ça, c'est magnifique. Et, parce qu'il se confie justement en toi. Il y a aussi vraiment les deux saints, donc les deux saints, les projets. En fait, si on a confiance dans le Seigneur, mm-hmm. à ce moment-là, si on ne cherche pas à agir charnellement, à convaincre les gens, à ce moment-là, Dieu va agir. Amen, amen. Voilà. Mais tant qu'on veut faire par nous-mêmes, en fait, on se perd nous-mêmes. Complètement, complètement, complètement. En tout cas, ouais. Quelqu'un d'autre? Non, vous n'avez pas quelque chose à... Ok. Le verset, en fait... Même comme Second l'a traduit, mm-hmm. il y a celui qui est ferme dans ses sentiments, donc en fait ça repose sur la personne elle-même. Alors que quand on voit dans la BJC, ça parle de celui dont les desseins s'appuient sur toi parce qu'il se confie en toi. Mm-hmm. Second, la version Second en tout cas, appuie le truc sur la chose sur l'homme, en fait. Ouais. Celui qui est ferme, donc voilà, ça c'est centré sur l'homme. Alors que dans la BJC, et peut-être dans la Martin aussi, je ne sais pas si c'est comme ça également, mm-hmm. on montre que c'est sur Dieu qu'il faut s'appuyer, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Par rapport à la foi, en fait, Abraham, ce qui a permis à Abraham de sortir, c'est qu'il avait les yeux fixés sur ce qu'il y avait après. En fait, c'est même pas sur la terre, c'est la cité dont les fondements sont, reposent dans les cieux. Mm-hmm. Et c'est vraiment. Et puis d'ailleurs, le verset qui suit, verset 4 de Ésaïe 16, confirme. Et en fait, c'est la suite logique du verset 3. Confiez-vous en Yahweh à perpétuité, car le rocher des siècles est en Yahweh Dieu. Donc, il est vraiment question de se confier, c'est la continuité, vous voyez, et il faut se confier à lui, se confier vraiment en lui, et lui faire confiance. Et effectivement, donc tu gardes dans la paix, celui dont les desseins s'appuient sur toi. Hein? Nos desseins, nos projets doivent avoir pour soutien, pour fondement, Yahweh. N'est-ce pas, qui est comme cet homme, ces deux hommes qui bâtissaient des maisons. Il y en a un qui a bâti sur le roc. Et on a vu que, quelles que soient les intempéries, tout ça, le vent, cette maison restait inébranlable parce qu'elle avait de bons fondements. Et puis voilà, donc Dieu garde dans la paix, et ceux et celles qui ont des projets bâtis sur Yeshua, notre Dieu. Et il est le rocher, justement. Des âges. Et voilà, donc c'est vraiment magnifique. Et vraiment, on se régale avec cette version. Et la version de 2015, justement, frères et sœurs, vous allez encore bien vous régaler parce que le travail continue. Hein, et on découvre encore des choses, Benito. Je pense que ça va vraiment te faire aussi du bien. Et tu auras cette version de 2015. Hein, et des choses qu'on a. Vous voulez qu'on partage rapidement un peu ce qu'on a découvert aussi. Et plein de choses, par exemple. Alors, on a découvert vraiment dans le Testament de Jésus, toujours, et aussi dans les évangiles et dans toutes les écritures, bien sûr, que la notion de la de ce Dieu un est partout. Hein, le fait que Dieu soit ou Dieu est un, d'accord, et partout. Et je me dis, mais vraiment, les trinitaires que nous étions hier, comment avons-nous fait pour, n'est-ce pas, passer à côté de tels trésors, quoi, c'est de telles évidences. Hein? Donc, par exemple, quand on prend Marc chapitre 12, nous allons partir du verset 28. Donc ce soir, on partage un peu de tout. Donc on a fini un peu l'épisode d'Abraham, hein? Donc... pour sortir de Babylone, bien sûr, du péché, de la religiosité, il faut
recevoir l'appel du Seigneur, il faut être là où Dieu nous voit et puis aussi accepter certaines séparations dans le but aussi de sauver ces personnes plus tard et d'avoir le regard fixé sur le Seigneur comme Hébreux 12 le dit, c'est lui qui suscite la foi. Voilà, donc...